Et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Préparons notre cœur à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, toi notre Père, Seigneur, vois notre frère, en pitié de nous. Ô Christ, vois notre frère, en pitié de nous. Ô Christ, vois notre frère. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes en les faisant renaître par le baptême, te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, car il est Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, les 10 premiers versets. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était juive, devenue croyante. Mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'amener, il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes
où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut debout qui lui faisait cette demande. Passe en Macédoine et viens à notre secours. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Acclamez le Seigneur, toute la terre, servez le Seigneur avec joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, sont trop pauvres. Acclamez le Seigneur, toute la terre. Servez le Seigneur avec joie. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Acclamez le Seigneur, toute la terre, servez le Seigneur avec joie. Mon esprit glorifie le Tout-Puissant et mon âme dresse. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, c'est avec vous. Et avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite.
un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, puisqu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette cinquième semaine du temps de Pâques s'ouvrait par cette page d'évangile de Saint Jean dans laquelle Jésus nous invitait à demeurer en lui. Et puisque nous demeurons en lui, et que lui, il a été persécuté, il nous dit aussi que c'est normal que nous puissions être persécutés. Parce qu'il nous a choisis du milieu du monde. Ce matin, le Christ Jésus oppose ses disciples, ceux qui lui appartiennent, ceux qui font sa volonté, à ceux et celles du monde. Mais le monde, ne le cherchons pas ailleurs. Il est dans notre cœur, parce que c'est dans notre cœur qu'il y a souvent la jalousie, la haine, la rancune, la violence. Et nous avons à extirper, à laisser la lumière du Christ envahir notre cœur, notre vie, pour que nous puissions manifester que nous appartenons au Seigneur, que nous puissions montrer aux hommes, à nos frères et à nos sœurs, combien le Seigneur est bon. Quelle merveille le Seigneur accomplit chaque jour dans chacune de nos vies, dans chacune de nos entreprises. Nous devons être amour. Et nous chantions hein, ce chant de Jean-Claude de Berthier. Hein. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie dans le monde pour que vous alliez et portiez du fruit. Que soit parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie, ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu, ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. Que soit parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie, ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu, ainsi le monde connaîtra les œuvres de Prierons ce matin pour le repos des âmes de l'île Bajina, de Germaine Bouanga, des sœurs de Sainte-Marie décédées. Partant des prunières. Nous prierons aussi pour le repos de l'âme, le Seigneur André Fernand Ondilet, le frère Martin Yelou, l'abbé Paul Apoui, l'abbé Noël Nguangema, l'abbé Paul Ibuanga, l'abbé Edmond Chikwenji Salomon, l'abbé Didas Mundunga, l'abbé Willy Ngori,
tristesse à ta main. Le sœur Lydie Ouyane. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Laissons-nous en ta miséricorde et pardonne-nous nos manquements. Nous te demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous te présentons le pain et le vin, parlez avec la joie, Dieu d'Israël. Nous te présentons le pain et le vin, parlez avec la joie, Dieu d'Israël. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous te présentons le pain et le vin. Parlez avec la joie, Dieu d'Israël. Nous te présentons le pain et le vin. Parlez avec la joie, Dieu d'Israël. Tu es béni, Dieu de l'univers. Qui nous donne le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous te présentons le pain et le vin. Parlez avec la joie, Dieu d'Israël. Nous te présentons le pain et le vin. Parlez avec la joie, Dieu d'Israël. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu nous donnes. Et découvre ceux qui demeurent toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple est baptisé rayonnant de la joie pascale et exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint son nom dans les siècles. Saint.
en son nom dans les siècles. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer livrant dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Et le dit à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce à la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre évêque Jean-Patrick Ibaba, et sur la charte de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont dans leur vie dans l'espérance de la résurrection, se porter en Eucharistie. Pour tous ceux et toutes celles dont le souvenir nous est présent en ce moment. Et Seigneur, allez recevoir de ta lumière auprès de toi. Que nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Implorant ta bonté aux intentions de tous ceux qui participent à l'Eucharistie, tous ceux qui ont demandé à prier pour eux, tous ceux qui nous rejoignent, qui de manière virtuelle participent à l'Eucharistie à leurs propres intentions. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et de gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous faisons dire notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Nous avons des accomplices. Donne-le Dieu cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ô agneau de Dieu, qui prend le péché, ô agneau de Dieu, qui prend le péché, en pitié de nous, agneau de Dieu, 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 qui prend le péché, ô agneau de Dieu, qui prend le péché. En pitié de nous, agneau de Dieu, en pitié de nous, agneau de Dieu, en pitié de nous, agneau de Dieu, en pitié de nous. Ô agneau de Dieu, qui prend nos péchés, ô agneau de Dieu, qui prend nos péchés. Donne-nous la paix, ô agneau de Dieu. Donne-nous la paix, ô agneau de Dieu. Donne-nous la paix, ô agneau de Dieu. Donne-nous la paix. Heureux, heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Les siècles. Amen.
Prions encore le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux et celles que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi, et Ave, Alleluia. Via, vermero isti portare, Alleluia.